être mauvais perdant, CIST dans les gènes. CIST en tout cas, ce que s'amuse à dire Laure Manaudou. Ce lundi 13 juin, la championne olympique de natation a partagé avec ses abonnés Instagram une courte vidéo en story. On peut y voir son petit bonhomme de bientôt 5 ans assis sur la terrasse de la maison familiale. Sauf que Lou est en pleine crise de larmes. Si est-il là que la vidéo devient amusante. Laure Manaudou demande à son fils ce qu'il veut. Réponse du principal intéressé, je veux gagner, lâche-t-il entre deux sanglots, tandis que sa mère lui répond qu'on ne peut pas gagner tout le temps. En légende de cette vidéo, la grande sœur de Florent Manaudou a expliqué que le fils qu'elle a eu avec Jérémy Frérot avait perdu à 1, 2, 3 soleil. Perdre à 1, 2, 3 soleil, la dure réalité de la vie, écrit-elle, avant de réaliser dans un éclat de rire, si est-il bien un Manaudou. Cette maman de 3 enfants ne dit en revanche pas si elle a transmis ce gène du mauvais perdant à ses autres bouts de chou. Laure Manaudou a en effet donné naissance à 2 autres enfants, Manon qui a déjà 12 ans et qui est né de ses amours avec Frédéric Bousquet, ainsi qu'un autre petit garçon né de son idylle avec Jérémy Frérot qui a 17 mois et dont le nom n'a jamais été dévoilé publiquement par ses parents. Laure Manaudou épuisée par ses 3 enfants, si est-il plus dur qu'une carrière sportive quotidienne ne remet épuisant. 3 enfants, si est-il énormément de fatigue quand on veut tout bien faire. On se partage beaucoup les tâches, de la manière la plus équitable possible pour éviter que ce genre de ressenti s'installe, expliquait Jérémy Frérot auprès de nous deux. Des propos confirmés par Laure Manaudou qui révélait d'ailleurs qu'elle ne souhaitait pas avoir davantage de bambins à la maison. 3. Ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Je n'aurai pas 4. Mon boulot, si estimaire au foyer. Je trouve ça plus dur qu'une carrière sportive, lâchait-elle dans les colonnes du Parisien. Alors qu'un en plus, la mauvaise foi des uns et des autres est de la partie, si est-il pire. Autant en rire donc et charrier ses enfants.